Yippee-ki-yay. Eh ben on enchaîne, nouvelle partie de Echo. Alors il va falloir que je me remette dans le bain. Pour les gens qui chopent le stream en route. La matière renforce la capacité de votre combinaison à retenir l'énergie de votre environnement. Alors, je disais, pour les gens qui prennent en route, je suis dans un espèce de palais que j'explore et qui a la particularité d'avoir une source d'énergie bah, qui est un petit peu, que je viens de réactiver par accident et qui est un petit peu en surcharge, ce qui explique en fait les blackouts qu'il y a régulièrement sur toutes les sources lumineuses. Et puis, je découvre aussi qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se passer. Mais bon, ça, je vous le réexpliquerai ou vous regarderez le stream précédent, ce sera peut-être plus simple. Là, on va continuer donc dans ce jeu qui est quand même assez particulier, puisqu'on se déplace comme on veut. Mais niveau action, on est limité par les capacités de la combinaison qui s'affiche avec les petits triangles là. Et c'est pour ça qu'il faut venir régulièrement dans les menus, regarder un petit peu tout ce qui est possible de faire. Donc l'écrit, le système de combi, comment ça marche, pousser les gens. Voilà. Donc quand même, il y a pas mal de trucs à gérer. Ça fait un peu comme je l'avais dit précédemment, c'est comme si on avait voulu mettre un petit peu de tour par tour dans du temps réel. J'ai totalement perdu mon objectif de vue. Bon, c'est pas grave. Tourner en haut, hein, ça sera pas une grande première. Ne t'ouvre pas, ça serait trop simple. Encore un point à cramer pour une action. C'est vraiment marrant. Salut moi. Les points bleus, c'est les trucs qui sont à proximité. Les points oranges, c'est ceux qui sont susceptibles de me repérer. Et dès que ça devient rouge, ce sont des qui m'ont vraiment repéré. Genre là. Bon, je pose. Le blackout, c'est ça pour m'enlever comme moment. Ah, c'est pas du tout le bon moment pour un blackout, les gars. Ah, saloperie.
C'est assez long quand même. Toujours au bon moment. Ça se recharge. Là, ça fait trop de monde. Et là, je me suis cramé tout seul avec le bruit. Ah mais je peux sprinter, je me rappelle aussi. Aller de là, ça sent pas très bon. C'est pas simple, hein. Bon, cela on va laisser tomber, je crois. Ça se trouve toujours pas ça. Là-haut, c'est un petit peu buzzy. Là, c'est un peu encombré. Non, pas le blackout pendant, c'est dégueulasse. Bon, là, il me faut absolument de l'énergie, sinon je vais vraiment être dedans jusqu'au cou. Je me fais toucher une fois, je suis raide. Là, je suis dans l'exact mode où il faut pas être, c'est-à-dire le mode panique. Oh, cet échec.
Oh, il y en a une là où je n'arrive pas à choper. Allons-y. J'ai pas vu celui-là. Fou. Énergie, donnez-moi de l'énergie. En face, attention. Elle est où ma loupiote? Elle est là. Oh putain! Ah, mais je peux pas la voir. Ah mais une risette. Bon, j'espère qu'il n'y a personne en bas. Ouais, ça passe. Énergie. Vita. Ouais, je suis pas trop dans la finesse, hein, mais bon. Si c'était le but, on en aurait causé. Au moment où je tire. Adieu les vilains. Si tu arrives à lire ça, c'est que tu as pris des substances interdites. Bon, c'est bizarre comme gameplay, c'est à essayer en fait, hein, parce que... C'est à essayer parce que c'est vraiment particulier comme gameplay. Hein. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ça commence à cavaler. Ah oui, non, mais elles savent cavaler. Il va commencer à y avoir du sport.
Ouais, ça va bien se passer. Ça va être terrible pour pas longtemps. Aïe 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 aïe. Et voilà ce qui devait arriver arriva. Ça n'a plus peur de la flotte et sa cavale. Oh purée. S'il faut que je dégomme tout le monde pour arriver à passer, ça va être très très long. Oh là là, pied du mal. Alors, ça court, ça passe dans la flotte. Ça va bientôt apprendre à me tirer dessus. De tension. Pour l'instant, c'est quand même vraiment intéressant parce que. Bah, si. Voilà. J'ai l'impression que le palais enregistre les faits et gestes avec ses holographes jumeaux, puis qu'il utilise ces informations pour améliorer les capacités de ces choses. C'est un peu tiré par les cheveux, Anne. J'ai l'impression qu'il y a une cadence. Comme un ensemble de règles.
Vous avez le chic pour trouver du sens là où il n'y en a pas. C'est dans vos gènes, comme vous dites. Ouais, c'est vraiment étrange comme gameplay, donc du coup, c'est à essayer. Parce que si ça vous convient, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Et là, l'histoire de se faire répliquer, c'est intéressant. Parce que j'ai pas encore trouvé de réplique qui sait me tirer dessus, mais là, quand ça a commencé à tirer dans tous les sens, alors entre les gens qui vous cavalent après, les tirs, plus les blackouts à gérer, va vraiment y avoir du sport. En plus, si on pousse le principe jusqu'au bout, il y a moyen quand même de faire des niveaux où il y a une manière particulière de passer, quoi. Et pas 36 000. Mais là, on va rentrer dans du gros mat, quoi. Oui, pourquoi pas. Ah, la bonne nouvelle! Heureusement qu'ils tirent comme des burnes. Oh, que je suis mal. C'est qui parlait de tirer? Chaque fois qu'il y a un espèce d'hologramme comme ça, ça veut dire qu'ils sont en train d'apprendre. Merde, ça s'est arrêté, ça. Oui, mais ça va être en route quand ça va redémarrer. Vas-y. Putain. Ça met bien la pression. Donc, les petites coquines savent tirer. Ça va être compliqué. Elles savent courir. Elles ont plus peur de la flotte. Elles devraient savoir ouvrir les portes dans pas longtemps, parce que j'ai eu un hologramme d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc les portes, faut pas que je compte dessus éternellement. Elles ont des flingues, rappelle-toi. Et elle savourait ces foutues portes. Sans le carnage. Bon, qu'est-ce que tu fiches, toi? Bouge. Ça va être violent. Ah non, pas le bisou, pas le bisou, pas le bisou. Ça va être chaud chaud.
Un petit blackout. J'en ai une derrière, je suis mort. C'est étrange comme une situation pas foncièrement compliquée devient infernale. Mon objectif, 21 mètres. Ok, mais je sais plus du tout où je suis là, les gars. Bon, je vais peut-être me permettre d'y aller un peu à la bourre. Hein. Ah, mais je suis au tout début du niveau. Ok, c'est qui part. Alors je me retartine tout là. Je me demande si je vais pas mieux aller à la bourre. Je tente à la bourre. Hein, hein? Qu'à faire? Ça se tentait, mais je voulais voir. Bon, à la bourrin, on se récupère 3 personnes sur le dos direct. On va peut-être éviter pour la prochaine fois. Combien de temps sur stream? Une petite demi-heure. Je crois qu'on va pas trop dépasser la demi-heure. Parce que l'idée, quand même, c'était de vous faire voir. Pas de répéter en boucle le même tableau parce que je joue comme un boulet. Ouais, on va se quitter sur cette dernière tentative de l'échec de la mort qui tue qui ne saurait tarder. Je vais essayer de faire ça propre. En exterminant tout le monde de ce côté. Merde. Mais ça a alerté tout le monde en plus. Un blackout et ce serait la joie totale. Là. Tout le monde doit être dedans. Là. Alors, purée, il me faut un scan. Là. Ah. Bon, quand on se fait attraper par un, on se fait attraper par tout le monde en fait. Voilà, c'était le petit stream, deuxième partie où commençait à y avoir de l'action, du suspense. Et beaucoup de bouletitude. Donc je pense que le jeu, bah, faut pas du tout l'aborder comme je fais. C'est-à-dire, il faut mieux l'aborder. Genre, vraie infiltration, les fans de Metal Gear vont adorer. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour, je sais pas si je refais un troisième stream de ça. Bah si, si j'arrive à avancer, trouver quelque chose qui change. Parce que pour l'instant, quand même, sorti des stratégies, il n'y a pas grand-chose à... C'est joli, mais voilà, on n'est pas en mode exploration totale, quoi. C'est surtout, on a des niveaux à passer... qui risque de devenir très très rapidement très corsé. À tout bientôt, ciao ciao.